عليكم. السلام عليكم سي سفيان. وعليكم المهم السلام. just the thing is هاد لو جور ديال ميتا فاوندر ما كتكونش زعما ما كنديرهاش على اساس انجلي فرونسي مي بلوس سي اون سيونس دو بارتاج عربيه دارجه فرونسي انجلي. فيل فري تو انسر لو بلوس امبورطون سي اتس تو جيت تو نو يو تو جيت تو نو او اس اند ان ميم تون دو بارتاجي اون بيتيت اكسبيريونس افيك لوديونس اي بار لا غير سويت. واحد شويه ديال الضوء. اها So the thing is, on va commencer avec une petite introduction. Je connais Soufiane et dit que ça a un peu l'explication. Bien sûr, avec plaisir. Donc tout d'abord, pour se présenter, Soufiane Amagui, je suis fondateur de AES, bien évidemment. J'ai eu mon diplôme, enfin, plutôt j'ai intégré l'IMSISP en 2013. Donc, depuis le vrai, vrai, vrai début. Donc, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en management industriel de l'IMIN, à la première école de l'IMSISP. On faisait partie de la première promotion. J'ai eu un parcours relativement atypique parce que j'ai choisi l'université en 2013. Elle n'avait pas d'historique, elle n'avait pas de c'est une nouvelle université, mais on voyait vraiment l'avenir. Donc, et alhamdoulillah, ça s'est très très bien concrétisé. En 2014, j'ai eu l'opportunité de fonder le club de robotique e-tech, Emin Technology, qui est toujours là, qui existe aujourd'hui, que j'ai géré pendant 4 ans. Et sur les 4 ans, j'ai pu entamer plusieurs projets, plus de 17 projets exactement. Et c'était la vocation générale du club, c'était le développement des projets robotiques, en robotique, et principalement centré autour de l'aéronautique. Donc, et avoir encore plus de focus sur les systèmes aériens sans pilote, donc ce qu'on appelle aujourd'hui couramment des drones. Donc, après, pendant ces études, pendant le parcours au club, on a eu plusieurs projets qui avaient un vrai potentiel sur le marché. Donc, on avait des clients, on avait des gens qui visitaient l'IMSISP et qui disaient « Oh, ce projet-là, j'aimerais bien l'implémenter dans ma chaîne de production, ou bien ça pourrait avoir une valeur ajoutée sur mon process industriel. » Donc, du coup, on s'est dit « Ah, pourquoi pas sortir de la bulle du club vers l'industrie ?» Et c'est en ce moment-là qu'on a créé la boîte AES en 2017. Après mes études, donc 2018, j'ai eu mon diplôme, mais on s'est aperçu qu'il y avait, je me suis aperçu que j'avais un petit manque sur des compétences du type commercial marketing. Du coup, j'ai eu une opportunité de pouvoir apprendre ça dans une des meilleures écoles. Donc, j'ai appris ça dans une multinationale américaine. Dans laquelle j'ai eu l'opportunité de gérer une équipe sur toute une région ici au Maroc, sur le département commercial. Et j'étais en charge de gros chiffres, entre guillemets. Et cette expérience-là, c'est ce qui m'a permis d'avoir cette brique qui manquait aux capacités qui est venu compléter les capacités techniques qu'on avait à l'époque. Donc voilà, aujourd'hui, AES compte à peu près 4 ans d'existence. Aujourd'hui même, on vous parle depuis bah, j'ai pris une petite pause pour participer à ce call. On est en plein chantier ici à Ejadida. On vient de finaliser une levée de fonds auprès d'un VC ici au Maroc. Et alhamdoulilah, on est sur le bon chemin. Donc, on est sur la phase du scaling.
الحمد لله قدرتي لنا بزاف دابا على سفيان. قبل ما نبدا نسول دي كاستيون على سفيان ولا لا ستارت اب، جيمغي بيان كو تقول لي كيفاش بدات اي او اس، لايك ليترلي هاو ديد اي او اس ستارت، سي كوا اي او اس؟ iOS, how did it start? It started from like as a continuous to the club, to the robotics club that I created back in at Emin. And le truc, c'est que on a créé le club, on a travaillé sur plusieurs projets, et là, c'est là où on a vu le potentiel. D'accord? Donc, du coup, comment il faut dire la chose? Quelle est l'idée déjà derrière le club? Parce que enfin, l'EMI, c'est le management industriel. Donc, c'est l'industrie, c'est plutôt une formation d'ingénieur généraliste. Comment on a eu le focus sur la robotique et les drones? Donc, c'est au club. Et je me rappelle très bien, c'était à Saint-Étienne, lors de notre première participation avec l'école au cartel des mines. Donc, il y a un événement sportif qui réunit toujours les écoles des mines françaises. Et c'était la première participation d'une école marocaine, c'était les mines. Donc, en ce moment-là, on était autour d'un dîner tous les étudiants à l'époque. Et j'ai échangé avec notre directeur, M. Nicolas Chemanov. Enfin, j'avais une idée de créer un modèle réduit d'avion, d'accord? Donc, j'ai dit, voilà ce que j'ai comme idée, etc. Bien sûr, il m'a fait un petit challenge autour des principes de Bernoulli, je me rappelle très bien. Et par la suite, il m'a dit, ça serait bien, au lieu que l'école ou bien l'université se soutienne, enfin, pour faire que ce projet-là, pourquoi pas ne pas en faire un club? Donc, c'est en ce moment-là qu'on est passé d'une simple idée de faire un projet individuel à faire un club ou bien un espace dans lequel les étudiants peuvent travailler sur des projets de même intérêt. Donc, c'est là où on a créé le club e-tech. Je me rappelle très bien, on avait organisé le premier hackathon. C'est le MLH Hackathon, c'est un hackathon international. On a organisé des événements, on faisait pas mal d'activités, on a beaucoup appris. C'est là où on a vraiment appris les bases et vraiment approfondi tout ce qui est en relation avec les systèmes aériens sans pilote, donc les drones. Et par la suite, on a eu le privilège de pouvoir présenter cela à Sa Majesté le Roi Mohamed VI pendant l'inauguration de l'université en 2017. Je me rappelle très bien de ce jour-là, c'était un jeudi. On a eu l'honneur de présenter cela devant Sa Majesté. Il nous a donné des encouragements et c'est ce qui nous a vraiment poussé à continuer l'aventure et aller de l'avant dans ce domaine. Donc, et par la suite, quelques mois plus tard, on a créé AES. On avait des démonstrateurs qu'on a développés au club, qu'on a pu utiliser pour convaincre, enfin, pour vendre ça à des clients. Mais une fois qu'on a eu des contrats, etc., et après, parce que ça, vous savez, ça prend un peu de temps pour établir tout ça, on a eu nos premiers clients. Et après le passage de PNJ, mon passage à la multinationale, on a signé notre premier contrat. Et en ce moment-là qu'on a décidé, c'est bon, c'est OK, on va être à temps plein sur AES. Et c'était le cas. Et depuis, on avance vraiment bien et on est aujourd'hui en phase de croissance. Très bien, merci beaucoup pour la story qui est riche. Donc, je vais faire un détail plus bien. Mais j'aimerais bien savoir, dire une petite présentation, one minute pitch, c'est quoi AES? Comme ça, je vais créer Doha, Dixad, and we get to... Sure, sure. Donc, AES est une entreprise marocaine spécialisée dans la collecte et la valorisation des données collectées par système aérien sans pilote. Donc, système aérien sans pilote, ce qui est appelé aujourd'hui couramment des drones. AES collecte ces données pour le compte d'industriels marocains et africains sur trois domaines, donc en mine, en agriculture et en géologie.
Donc, on utilise nos systèmes aériens, que ce soit des systèmes aériens qu'on a développés in-house ou bien des systèmes aériens qui sont importés et qui sont adaptés à des besoins clients. On collecte de la data par nos équipes et par nos systèmes. Et par la suite, on introduit cette data qui est collectée à des algorithmes de valorisation afin de fournir au client final la data qui va lui servir de prendre la bonne décision. Donc, c'est ça l'essence de AES. Typiquement, pour avoir des projections directes, ce que fait AES aujourd'hui est fait typiquement l'ensemble des tâches topographiques qui sont faites de façon conventionnelle aujourd'hui et ce sont des tâches qui sont aujourd'hui déportées et sur lesquelles on utilise des drones. On utilise également les drones pour la prospection géologique. Donc, on facilite énormément les tâches du géologue qui parcourt plusieurs dizaines de kilomètres à pied ou bien enfin, motorisé pour prendre plusieurs échantillons. On collecte des images hyperspectrales à très grande échelle, à très grande précision, ce qui facilite énormément la tâche sur la phase de l'exploration géologique. Et finalement, sur la partie agriculture, pour donner un exemple très concret, on a travaillé très récemment avec l'université et l'Institut national de recherche agricole, ou agronome, l'INRA, sur le suivi de croissance de certaines plantes afin de mesurer l'impact des intrants sur leur croissance. Donc, il y avait plusieurs échantillons sur lesquels on a mis différentes configurations de fertilisants, irrigation, etc. Et c'est grâce à notre technologie qu'on a pu faire le suivi pour avoir quelle est la technologie, enfin, quelle est la configuration la mieux adaptée pour cette culture. Donc, ce sont des solutions qui sont adaptées à chaque fois pour chaque segment de clients. All right, thank you so much. That was very interesting. I'm going to take you back to La Perrine. Un petit peu, Christin fait rafter l'entreprise. Enfin, dès que le moment. Wesh, Christin, on parlait de la AES. C'est oui, comment tu penses? Sinon, je ne l'ai pas à part la suite de décider, je vais quitter l'entreprise et je vais me concentrer à 100% à la AES. C'est très simple. Aujourd'hui, mon passage dans une autre entreprise, c'était, comme j'ai dit, pour acquérir, pour apprendre du meilleur de ce qui est sur le marché. Pour apprendre du marketing, vous partez au master du marketing. Enfin, c'est ce que j'ai fait entre parenthèses. Et c'est une compétence qui vaut beaucoup si on veut vraiment faire, enfin, si on veut faire un parcours entrepreneurial. Parce que il ne suffit pas de savoir comment concevoir un drone, mais il faut également comment le vendre. Parce que si on ne sait pas comment le vendre, on peut le garder à côté de nous tant qu'on veut, il ne va pas se vendre automatiquement. Donc, c'est la raison pour laquelle il y avait un passage que je juge jusqu'à aujourd'hui très, très, très utile et dont j'ai eu la chance de côtoyer des gens de très haut calibre pour pouvoir apprendre et avoir un transfert de savoir et de compétences pour que ça puisse être déployé au sein de ma boîte qui est AES. Et durant la période, la relation AES, comment ça a été géré? Est-ce que c'était Elle a été gérée, comment ça a été géré sur cette période-là? Avant que j'intègre enfin, mon job à l'époque, il y avait des protos qui étaient en stand-by, ils ont été présentés, etc. Et je peux dire que AES était en stand-by pendant cette période-là. D'accord? Parce que il fallait closer des contrats. Donc, you need to close contracts in order to start working. So, closing contracts, we had the privilege to close our first contract with the biggest company in Morocco. As you can imagine, it took time. It typically takes a lot of time. That's why we basically have put AES on like a standby mode until the contract was signed and sealed. And once the work started rolling, I said, okay, thank you guys for everything, but I have to quit to focus on my company.
Alright. Il y a un certain moment que c'est une continuité d'un club et moi, c'est que tu as appris quelque chose à l'entreprise et par la suite, tu as décidé. C'est le bon moment d'y aller, now to switch from the company to actually to work in, on your own startup. Well, Quand je juge, j'ai les raisons. There were two things. Okay. So the first one is that there were projects that need that has been signed and that need me to be working on them on full time. You cannot be you cannot be in two places at once unless the day is 48 hours or less. So that's why, of course, I had to choose my startup, my initiative. And second factor is that I had a lot of mentorship from Mr. Nicolas Shemanov and the current president Hisham Labti, who had helped me a lot during the process. And when I figured out it was the right time to switch, that was the time when we said that's the right time to go full time on Mais the based on what? That it's the right time. based on the needs of the startup, of the company. The company is like it needs fuel to run. It's like once you we got the contracts, we got the projects, but we needed people to work on them. They were very specific. I couldn't find someone I can afford on the market to hire like from the beginning. So that's why I had to put my full time into the company in order to get things up and running. That's the main reason. So, I'm going to take you to a different point de la conversation. C'est que normalement, quand on crée une startup et tu es, c'est Sofiane, l'un des lauréats de l'UMCSP et tu as été accompagné par l'UMCSP, tu as fait partie des programmes de l'université. Donc, comment c'était l'expérience d'ailleurs? Comment c'était l'expérience en faisant partie d'un programme You Founders à Diel Hajj Loula? Et la deuxième des choses, why you decided to go through the program You Founders? So why did you need a program? Since the company you had contracts, things were going a little bit too okay, and the contiguity, I know, c'est bon, you needed to focus on it, mais pourquoi le choix de Of course. Quand tu commences et enfin au début j'avais le produit, j'avais réalisé le product market fit, il y avait un besoin, j'avais trouvé le client, j'ai signé mon contrat, j'ai commencé à travailler. Petit à petit, il y a des problèmes d'entreprise qui commencent à émerger. Et qui demande un skill set additionnel. C'est en ce moment-là que je me suis dit, OK, on ne peut pas être expert en tout. Donc, il faut se focaliser enfin, le cœur du métier de la boîte et savoir comment gérer l'ensemble des besoins de l'entreprise. Qu'on appelle enfin, des besoins annexes, entre guillemets, que ce soit sur la matière légale, financière, ce que vous voulez. Et c'est là où le programme You Founders était très utile parce qu'il nous a fait rencontrer des personnes ou bien des formateurs ou bien des mentors sur plusieurs segments et avec un skill set très varié. Et en ce moment-là, qu'on a vraiment apprécié le fait d'avoir fait partie de ce programme parce que ça nous a permis de vraiment toucher le fait que il faut un expert sur chaque verticale. Donc on ne peut pas être avocat et financier et technicien, ingénieur à la fois. Donc il faut se focaliser sur le cœur du business, donc c'est ce que j'ai fait. Et on a essayé de bâtir, j'ai essayé à travers cette formation, ou bien ce programme, d'établir d'autres bases ou bien
des chartes de fonctionnement de l'entreprise. Et ça, à la fin du programme, je me suis trouvé avec une entreprise beaucoup plus structurée et non pas une entreprise qui est axée autour d'une personne. Donc, c'était avant, AES, c'était Soufiane. Et aujourd'hui, AES, ce sont plusieurs départements, chacun avec son indépendance, ses fonctions, ses devoirs. Et en ce moment-là, qu'on s'aperçoit de la véritable valeur ajoutée de ce type de programme. Donc, et c'est la raison pour laquelle on a soumissionné et on a fait partie des livres. Est-ce que AES, Zema, pouvait la faire sans faire partie d'un programme? Est-ce que vous en avez besoin ou là, quand même, qu'il y en a comme déroulé sans programme? On pouvait le faire sans le programme, mais une notion très, 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 très importante sur les entreprises ou bien les startups opérant dans le domaine technologique, qui est le temps. Une notion que je sous-estimais avant beaucoup, mais le fait de pouvoir structurer sa boîte dans un temps réduit a permis à AES d'aller plus vite, a permis d'AES à ce qu'elle a finalisé une levée de fonds après 3 ans d'existence, par exemple, a permis d'AES à mieux gérer ses problèmes internes avec les employés, avec les associés, tout ça. Et ces éléments-là, je pense qu'on pouvait les faire tout seul, sans l'aide du programme, mais ça aurait freiné, ça aurait réduit la vitesse de croissance de AES, et ce qui, je pense, très, très, très négatif en termes de croissance des startups. Parce que généralement, ce qu'on cherche toujours, c'est la courbe exponentielle comme ça. Donc, c'est la raison pour laquelle il est très important de faire partie de ces projets-là, de ces programmes-là, pardon. All right. Donc, si tu as à choisir 3 raisons pour lesquelles une startup doit faire partie d'un programme, ça allait être quoi les 3 raisons? La première raison, c'est... on doit faire partie d'un programme parce qu'on ne sait pas tout, tout simplement. Parce que un entrepreneur qui a un background financier et qui se lance dans la tech, il ne connaît pas la technologie nécessairement. Sauf s'il a un associé avec un background dans ce sens. Mais généralement, ça émane du fait que chaque startup a un besoin quelque part. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour combler ce besoin, soit on part le chercher, d'ici et de là, ça prend beaucoup de temps, etc. Soit on prend les programmes existants et on choisit les programmes les mieux adaptés à le besoin et on souscrit au programme. Je connais des entrepreneurs personnellement qui prennent partie à plusieurs programmes et qui s'intéresse plutôt à la quantité, mais je pense que c'est une erreur. Donc, il faut toujours garder l'œil sur ce que dont on a besoin et aller chercher ce besoin-là, que ce soit sur des programmes d'accompagnement ou bien chez des mentors ou bien chez des partenaires potentiels, mais il faut garder toujours sous les yeux quel est le besoin, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Et aller chercher ce besoin, s'il existe sur un programme, donc tant mieux, on choisit ce programme. Donc, je pense que c'est selon toujours le besoin. Je n'arrive pas à énumérer 3 raisons, mais voilà. Dans le cadre de besoin, normalement, c'est pour vous, en tant qu'AES, quels sont les critères que vous avez eus ou là, vous avez... on va choisir le programme là, le programme. Donc, vous cherchez quoi à l'époque? Donc, parce que normalement, vous pouvez participer à d'autres programmes autant que celui de l'université. Clair. Donc, je me rappelle très bien d'une raison majeure pour laquelle j'ai choisi le programme dans lequel auquel je fais partie aujourd'hui même. C'est que
il donne l'opportunité de choisir ses mentors. OK. Ce qui est très, très, très important parce que j'avais eu l'opportunité de participer à la première édition de l'Arab Innovation Academy qui a pris place au Qatar. Et j'ai rencontré des personnes de la Silicon Valley. Enfin, je me suis fait un très, très bon réseau grâce à cet événement-là. J'ai rencontré pas mal de personnes enfin, de différents pays, de différents backgrounds. Et il y avait des personnes qui ont retenu mon attention et que j'aurais bien, enfin, je me suis dit, j'aurais bien aimé que ce soit mon mentor, par exemple. Surtout sur les volets technologiques, quand j'ai vu que YouFounders a offert cette possibilité, c'était parmi les raisons majeures pour lesquelles on a choisi de faire partie de ce programme. Parce qu'on a vu, on avait eu besoin d'un mentor sur des sujets très bien précis, sur des volets précis. Donc, c'est la raison pour laquelle on a choisi YouFounders. J'ai une dernière question dans la partie Bien programme. sûr. Dans la partie programme, c'est que normalement, les startups, généralement, se cachent derrière les programmes. Pas mal de startups, ils sont plus, au lieu d'aller vraiment, de passer un programme pour une période pour apprendre quelque chose et vraiment, ils passent d'un programme à un autre, une compétition à une autre et tout. Est-ce qu'en étant un bon élève, dans un programme veut automatiquement dire Non, que non, vous non, non. êtes Là, avant que tu termines la question, je te dis non. C'est clair et net. Il faut, enfin, le meilleur endroit depuis lequel tu peux apprendre, c'est le terrain, c'est de chez des clients, de comprendre le besoin, d'adapter ton produit, de passer ton temps à l'atelier ou bien en face de ton ordinateur, adapter ton produit ou bien ton service aux besoins du client et pouvoir vendre ça et maintenir la qualité, etc. Donc, ça ne se passe pas au programme. On acquit les compétences théoriques des programmes et on prend ces compétences-là. On doit, enfin, pour acquérir les compétences, aujourd'hui, la donnée, elle est disponible. D'accord? Normalement, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps et il faut attaquer directement le terrain, le marché, pour pouvoir appliquer ce qu'on a appris et pouvoir générer de la valeur. Parce que malheureusement, ce que je vois sur les programmes ou bien les banques ou bien les fonds d'investissement, etc., un fonds d'investissement, par exemple, il est jugé par le volume des startups qu'il a accompagnées et non pas la valeur créée par les startups qu'il accompagne. Donc, quand on voit qu'il accompagne 200 startups et aucune de ces startups ne génère un revenu, au lieu d'un VC qui accompagne trois startups et qui les finance proprement et qui donne, à qui il donne le soutien nécessaire sur tous les volets, et ces startups-là finissent avec des chiffres d'affaires importants. Donc, c'est en ce moment-là qu'on dit que ce monsieur-là, ou bien ce fonds d'investissement-là, a bien réussi sa mission, enfin, selon ce que je pense. Il faut toujours, et c'est ça, on le voit sur plusieurs domaines, les indicateurs de performance des programmes d'accompagnement ou bien des fonds d'investissement ou bien de tout l'écosystème doit être axé sur la valeur, la création d'emplois, enfin, des éléments qui peuvent justifier le retour sur investissement. Qui est misé sur ces startups-là ou bien sur ces initiatives. Donc, c'est la raison, enfin, c'est ce que je pense personnellement. Après, je peux me tromper dans ce sens, mais ce n'est pas en participant à 200 programmes qu'on est bon. Ça peut faire connaître sa startup, mais deep down, c'est que dalle, il n'y a rien. Parce que Donc, c'est en général, quand tu as des startups qui se focalisent à l'attraction, ou tu gagnes attraction et gagnes If it's economic attraction, I'm good with it. Si ça fait, si, if the attraction is shown on the balance sheet by the end of the year, I'm happy with it. That's very nice. But if it's only to show off and to say, oh, we are the pioneers of this or the pioneers of that, or
we do this or we do that without like something solid derrière, c'est ça, non. Enfin, je ne suis pas d'accord, c'est mon opinion, je peux me tromper. Investment. How was the experience the iOS investment in? Very tough. iOS started with no investment. I personally worked with my personal and family money. I had the opportunity to work at another company, of which I used the money to pay myself and pay two other people and pay the company's expenses and stuff. So it was very tough to find investors. Au Maroc, les gens peuvent financer si vous voulez construire un immeuble. Pour faire une startup technologique qui fait de l'intelligence artificielle, des drones, tout ça, vous avez pu deviner la réponse. Donc, c'était ça. On a commencé en 2017-2018. L'écosystème n'était pas... Il n'y avait pas beaucoup d'acteurs à l'époque. Donc, c'était encore plus difficile. Donc, ça permet aussi de justifier le passage par une autre boîte pour pouvoir financer ça, surtout sur le plan financier. L'État fournit des subventions pour accompagner les entreprises dans les phases de démarrage. Malheureusement, ces subventions, parfois à cause de problèmes de lobbying ou bien de contraintes qui sont vraiment dues au fait que les personnes qui attribuent ces subventions are not fully suited to judge the tech entrepreneurs in front of them. So that's a problem that I faced. But once, like what I can assure you, once you get traction, your first client, this is a whole different discussion. Donc, vous avez plus de crédibilité, vous pouvez faire des projections financières, vous pouvez lever des fonds auprès d'investisseurs. Donc, au Maroc, on n'a pas de gros tickets. Mm-hmm. When it comes to investments, ça peut freiner des entreprises ou bien des startups that requires cash to start. I had the experience. That's why, malheureusement, je vois que il y a des programmes d'accompagnement ou bien de financement qui conditionnent toujours le fait that you will have the exponential scalability by the fact that you are developing a web app. Mm-hmm. Donc, il y a toujours l'hypothèse web app, millions of users. You don't need to spend a lot of money to get more users. But it's not always web apps ou bien des trucs, enfin, le software ou bien le software as a service, the good model for the economic context where we are today. Maybe there are other solutions, and I strongly believe that there should be more programs that take into consideration business models and not only able to finance the companies. So that's ce que je pense par rapport à l'investissement. On a pu avoir un investissement. On vient de finaliser d'ailleurs une levée de fonds. C'était la levée. Donc on vient de finaliser une levée de fonds aujourd'hui. AS va être transformé en société anonyme avec une augmentation de capital dans les deux mois à venir, c'est en cours. Et une deuxième levée de fonds est en cours, donc en cours de négociation. How much is the valuation of AS now? I don't know if I can share this, but I need to, because
ARES is valued today at about 5 million dollars, 50 millions de dirhams. 50 millions de dirhams depuis 2017. Donc, c'était sur cette base que la levée de fonds a été faite. Il y aura une deuxième levée de fonds vers janvier. On est en train de faire les due deals avec le fonds d'investissement en question. Pour pouvoir financer une phase d'industrialisation. Pardon, c'est... Des investisseurs marocains internationaux? Marocains. Enfin, le contexte sur lequel on opère aujourd'hui, on a une activité assez particulière. Parfois, on opère dans un secteur sur lequel il est préférable d'avoir un tour de table composé de personnes physiques et morales qui sont marocaines. Donc, voilà. Secrecy and stuff, داك الشيء ديال الكوفيد. لما ندخلوا لهذاك الموضوع. I would take you to a different part of the conversation. La compétition. Donc, on sait bien que les drones, ça commence à prendre de plus en plus le Maghreb. Il y a plus en plus d'entreprises qui offrent des services ou la drones as a service, as you say. There are companies who are introduced in that field. How do you manage competition and what sets iOS apart? that la question, Radhi, tu as joué de competition. Why? La réponse va plaire à la compétition. Mais ce qui fait la force de iOS, que je peux dire, c'est pas la flotte de drones. Même si on peut avoir 200 drones en stock qui sont prêts à voler dans les 5 prochaines minutes, c'est pas ce qui fait la force d'iOS. C'est beaucoup plus. J'essaie de dire ça sans pouvoir dire beaucoup. la force n'est pas dans le hard, mais dans le soft. C'est plutôt dans les algos qu'on a pu développer, des algorithmes qui nécessitent. Sofiane. De la data qui est collectée d'une façon précise, des modèles. Oui, là, on a perdu pendant 10 secondes. Vous avez dit les modèles ou les algorithmes que vous avez construits. C'est les investisseurs qui ont coupé. j'ai dit que les modèles. C'est pas les équipements qui font la force d'AES, mais c'est plutôt les modèles qu'on a développés et qui ont été développés sur la base de la data qui est collectée d'une façon très précise pour pouvoir monter des modèles de prédiction ou bien des modèles d'intelligence artificielle avec une précision très 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 haute. Donc, c'est ce qui fait la force d'AES aujourd'hui. Donc, voilà, vous l'avez fait. Je vais te poser la question à la propriété intellectuelle, puisque vous développez des choses qui sont propres à vous. Malheureusement, oui. Malheureusement, on ne peut pas breveter un software. D'accord. Ce qu'on peut breveter, c'est un... Si j'ai bien la définition... Ce qu'on peut breveter, c'est un hardware, enfin c'est un software qui génère des informations, enfin qui génère une donnée qui entraîne une action physique. Donc par exemple, si j'utilise la donnée que je sors de mon algorithme pour bouger un bras articulé d'un robot, ça peut être en quelque sorte brevetable, mais dans notre cas, c'est pas le cas. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas entamé jusqu'à présent un dépôt de brevet auprès de l'entité responsable du marché. Et
comment vous faites sûrement que le travail de l'AES, vous rencontrez des cas, soit des cas, par exemple, cas de copy-paste, ou là, que vous voyez des choses d'elle comme qui s'aiment le blind screen, des choses par exemple. How do Ah, you do enfin, it? Moi, déjà traite. Déjà traite, par exemple, là, un cas par exemple, les cas de quelque chose là. propre à l'AES qui est d'être utilisé ailleurs. And how do you handle the situation and what do you advise other startups Claire, to think? claire. Enfin, ce que j'essaie de voir là, enfin, moi, en tant que. Enfin, j'ai eu un privilège. Qui m'a honoré, c'est que pendant l'inauguration de Sa Majesté de l'UMCCP, à la fin de la visite ou bien de ce qu'on a présenté au club de robotique, il m'a dit et j'ai fait à Sa Majesté une promesse de rester ici et de travailler ici et de continuer sur ça. Donc, c'est une promesse que je tiens jusqu'à aujourd'hui. De ce fait, je ne suis pas contenté du fait que je dois réussir tout seul. À chaque fois qu'il y avait un jeune ou quelqu'un qui a une idée sur laquelle je peux aider, parce que j'ai exploré des milliers de pistes et je sais ce que ça marche. Et je ne vois pas l'intérêt pour priver les gens de l'information. Et je vais pas dire que j'étais victime de ça, mais bon, c'est learning experience. Ce sont des pistes que j'ai écartées au final pour ne pas y revenir. Donc, j'ai aidé des gens et j'ai pour qu'ils arrivent et réussissent leur carrière entrepreneuriale. Que ce soit des amis, des gens de l'entourage, etc., desquels j'ai eu pas mal de problèmes. Au final, également, j'ai eu des problèmes avec des amis d'enfance que j'ai recrutés au sein de ma boîte, même si ils n'avaient pas les critères, parce que c'était toujours un. On s'est dit toujours que c'était un nouveau domaine. Donc, on s'est chargé de leur formation, etc. Après une petite période de temps, ils ont décidé volontairement de quitter. Ils ont essayé de monter un truc similaire, mais malheureusement, enfin, j'aimerais bien que ça marche, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Mais après, il faut que les investisseurs. Et les programmes d'accompagnement, c'est en ce moment-là c'est là où j'ai ressenti que ces programmes-là ne sont pas adaptés. Ou bien peut-être qu'il n'y a pas les bonnes personnes au bon endroit, et surtout sur les fonds d'investissement. Je me rappelle une expérience, on a été introduit pour monter une nouvelle structure qui va faire ce qu'on fait exactement à AES pour un client. Cette structure-là, ça a été introduit par un investisseur, voilà, comme une opportunité. Il est venu vers nous en nous disant, voilà, j'ai une opportunité, ça pourrait être intéressant. Et au moment où on a dit, OK, on peut aller, on a reçu les personnes qui ont exprimé le besoin. On a présenté, on a fait des pilotes, on a fait des démonstrateurs, etc. Ça a très bien marché. Au final, quand ça n'a pas plu à la personne ou bien à l'investisseur qui a présenté ça, il a cherché un ancien employé de AES. Pour pouvoir monter la boîte avec lui en disant que voilà, que ça va marcher, mais en espérant que ça marche.
Je t'ai posé la question de l'intellectual property au Maghreb, mais since you developed on that very much, I would take you to a different field because we have 10 minutes, donc je vais en profiter le maximum. What do you think about the drones market in Morocco in general, the IT to a different level in Morocco? How did it evolve? There's no mal interests, especially where does the interest in drones and services in Morocco, drones as a service in Morocco, come from? As I say always, the drones came to replace certain methods or certain tools that have been used for a very, very long time, okay? Mm-hmm. And it's a tool which is cheaper to operate and generate tremendous value. How I see things, if people use a tool outside, si aujourd'hui, c'est très simple. Aujourd'hui, on produit un téléphone au Maroc et le même ailleurs. Dans ce pays-là qui est en dehors du Maroc, on commence à utiliser les drones. Donc, les drones qui ont un coût opérationnel relativement faible avec une création de valeur significative, du coup, le coût de revient de ce téléphone va être inférieur à l'étranger. Oui. Au final, l'usine marocaine ne va pas être au même rang que l'usine qui est à l'étranger. Du coup, l'adoption de cette technologie va être une nécessité pour pouvoir s'aligner et garder sa compétitivité à l'international. Oui. Ça, c'est juste un exemple très simple pour qu'on puisse illustrer. Et l'adoption, ce que je sais, what I know for a fact is that it will be adopted, it will be regulated properly, and things will move forward. But regulation. That's my question. How is that evolving? Because today, aujourd'hui. Je ne suis pas le marché, je ne m'y connais pas, mais what I've heard of, c'est compliqué de travailler des drones, des autorisations. Exactement. C'est un secteur, c'est un domaine qui est très réglementé. Il y a une loi, il y a des lois qui sont établies, qui cadrent correctement cela. C'est pas évident. Il faut obtenir des autorisations. C'est un outil qui peut être utilisé de façon néfaste. Donc, c'est la raison pour laquelle, personnellement, vu notre contexte, je vois que ces autorisations et que, c'est, la licence d'importation qui est demandée pour pouvoir importer ou bien acheter de l'étranger et par la suite utiliser ça suite à des autorisations est nécessaire et primordiale pour l'opération au Maroc. C'est un outil qui peut impacter la sécurité nationale. Du coup, un cadrage très strict doit être mis en place. Donc, je suis d'accord. Il y a du travail à faire pour que ça puisse aller, s'alléger un petit peu. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie jusqu'à présent. Je pense vraiment que dès que le moment opportun viendra, il y aura un retravail, si je me permets, des procédures pour que ça soit plus léger et plus flexible pour les entreprises pour obtenir les autorisations. Mais je suis pour à ce que les autorisations soient strictes sur ce volet-là, parce que si cet outil-là tombe entre les mauvaises mains, ça devient un outil néfaste. Thank you so much. I have one last question is what's next for iOS right now? Next for iOS, we're expanding outside of Morocco. Inshallah, after Eid, we are finishing the paperwork. We had a proposition from a European company, from a European country, to put our une antenne là-bas pour la partie R&D, because there are more financial tools to help us. Move forward this segment of the company. And we are expanding in other countries in order to expand our operations because we spotted the needs, we signed the clients, and we need to move there to start working. And finally, the experience within the UM6P ecosystem so far, how is it going? So far, if I have to rate it, so far, so good. I
I didn't regret my choices. I am happy where I am today. I learned a lot of doing what I'm doing today, and that's thanks to de façon majeure to UM6P. And by I always compare like where I would have been if I'm not doing this. I would have been doing something else. But I really love what I'm doing today, so I'm glad to the to UN6P to all what they have done so far. Thank you so much, Si Soufiane. Avec plaisir. He's with us today. If he has any questions to you, otherwise, it was a pleasure sure. meeting you. Thank you so much. If you have some one message to the startups, here you go. This is the opportunity. This is going to be. I have two messages. I have one message to people with ideas. I have been given an advice that I would like to share with others. Yes. Le meilleur moment. Enfin, c'est comment? Le moment opportun de commencer une boîte, c'est quand on est toujours étudiant. On a le droit à l'erreur, on a le droit à faire du brouillon, on a le droit à l'erreur. Et donc, ne pas lancer une aventure entrepreneuriale tant qu'on n'a pas beaucoup. C'est la meilleure des choses qu'on pourrait avoir. C'est une. It was an advice that I've been back at school, and that I would like to share with other people. Si vous avez une idée, faites un POC, un proof of concept. Allez directement chez le client, adaptez votre produit, tell them how much they would pay for it, and if the BP les projections ça, if it works, start, go straight forward. For it, I have the second message is for institutions, not only financial institutions, les organismes d'accompagnement en général. Oui. I think that they need more people in their boards that understands youth, that qui comprennent les jeunes, comprennent les projets innovants. Parce qu'aujourd'hui, quand on présente un projet innovant à un banquier. Je m'excuse, mais la majorité des banquiers, enfin, ils voient que les projections, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme garantie. Mais enfin, il faut tenir cet élément en compte. L'innovation, ce n'est pas facilement mesurable. Il faut mettre en place des éléments ou bien des personnes ou bien des outils qui peuvent prendre ça en considération pour faciliter l'accès au financement et à l'accompagnement aux futurs entrepreneurs. It was a pleasure. We're looking forward to now talking on plus en plus Startgate. Thank you so much. J'avais autant de questions, surtout à la partie startup corporate collaboration. C'est des choses que tu as fait, mais le temps. I would love to discuss them in a different episode. So thank you so much. And thank you so much, Mohamed. That was a great pleasure. I'm looking forward to do it another time, Inshallah. Maybe with more questions from people. And yeah. I will be always, you have people, hey, people, you have my LinkedIn. Don't hesitate to reach out. I would be happy to share with you what I learned and what people shared with me. So hopefully we can move forward. Thank you so much. Thank you so much, Mohamed. And have a great one. Good luck with what you're doing, Fuljof. Thank you so much. Bye-bye.